بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نقول بس ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى بمختصر مختصر جقاضي أبو شجاع أحمد ابن الحسين الأسفهاني العباداني الشافعي ورحمة الله عليه رحمة واسعة نقول نسمز غيفي Aujourd'hui, un le sous-chapitre qui concerne la prière en groupe. Donc, on avait terminé tout ce qui est en rapport avec euh, les annulations de la salah, euh, les, euh, les prostanations de l'oubli concernant les éléments, les différents éléments qui peuvent être oubliés dans la salah, comment se comporter, comment euh, faire cette prostanation de l'oubli et à quel moment. On a vu également les, les temps où il était interdit. Et là, maintenant, on poursuit avec la prière en groupe, wa ta'ala. La prière en commun est une recommandation appuyée. Il est du devoir du fidèle qui prie en commun de formuler l'intention de suivre l'imam qui dirige la prière, mais l'imam n'est pas tenu à l'obligation de formuler l'intention de diriger la prière. Aywa. Donc, tout de suite, d'entrée de jeu, Euh, القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى يمنسيون لو ستاتيو الحكم طيب لو ستاتيو دونك لو ستاتيو بريسكريبتيف دو cette صلاه الحكم است سي سنه مؤكده است سي واجب است سي محرم سون ابل سا حكم شرعي طيب كما جي الامام الجويني رحمه الله تعالى والاحكام والاحكام الشرعيه والاحكام الشرعيه سبعه الاستاتيو Euh, Prescriptifs, ils sont au nombre de sept et les mentionnent. Euh, donc, c'est un hakm shariah. Donc, d'entrée de jeu, le code Abu Shujjah nous explique que jamaa c'est quoi donc Son hukm c'est une sunna mu'akkada. Donc, une recommandation appuyée. Ici, le code Abu Shujjah nous a pas expliqué qu'est-ce qu'on entend par la prière en Jama'a. Qu'est-ce qu'une prière en Jama'a La prière en Jama'a, comme vous le savez, c'est le fait qu'on est un imam. Euh, un imam et derrière ou à côté une personne qui suit au minimum ça c'est une prière jama'a au minimum deux l'imam et celui qui est à côté qui suit qui suit l'imam après sinon si on est plusieurs dans ce cas là on fait des rangs des soufouf derrière cet imam ici le de du Abou il a suivi l'opinion de l'imam al-Rafi'i sur le fait que cela soit une sunna Fortement recommandé. Cependant, selon la vie le plus juste, comme l'a mentionné l'imam al Asah, al taala, c'est que la prière en groupe, c'est Fard qui faille. C'est que c'est Ford qui faille. donc c'est une, une obligation à caractère communautaire. Et c'est le mot dans le Madhab. Et c'est le mot Atamad dans le Madhab. C'est la vie officielle du قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفضل ب 27 درجة. تمام؟ La prière en groupe est meilleure que la prière de celui qui prie de façon isolée, seul, et ceci de 27 degrés. تمام؟ أيوه وهكذا. Donc, la vie officielle du madhab, c'est que La, la, la prière en jama'a, elle est fard qui faille. Par contre, la jama'a, le jour du vendredi, ça c'est obligatoire à caractère individuel. Attention. Tamam. Jamil. Comment est-on considéré, comment à quel moment considère-t-on que, la, prière pris, que la, la, la personne a pris en jama'a Soit il est avec l'imam depuis le début en ihram ou bien même s'il a attrapé l'imam avant que ce dernier fasse le teslim, Comme l'a mentionné Ibn Qasim al-Razi, Rahim al شرحه ala, ala maintenant شجاع. Donc dans le Madhab, si la personne vient avant que l'imam fasse le Taslim, Al-Ula, Taslimat al-Ula, avant qu'il fasse le premier Taslim, il a attrapé euh, le, 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 le mérite de la prière en groupe. Par contre, pour le Jumu'ah, s'il n'a pas attrapé une seule raka'ah, au moins une raka'ah, il n'a pas attrapé le Jumu'ah. on le verra, dans les règles du vendredi, Ensuite, qu'est-ce qu'il a mentionné le Qadr Abu Shudja L'intention. celui qui rentre celui qui rentre al l'ma'moum, il y a donc celui qui rentre pour être un suiveur en tant que mu'min il se doit d'avoir l'intention de suivre l'imam de même inna mal a'ammal ubniyat vous avez dit les fouqa achafigia concernant la nia la nia le partout montechat très stricte faire d'al-bab par contre l'imam il n'est pas obligé de faire de, de mettre l'intention Barakallahu euh, fiykom d'être euh, imam pour une jama'a etc ce n'est pas nécessaire. D'accord tamam. Jamil, continue. Il est permis à l'homme majeur de prier sous la direction de celui qui a presque atteint l'âge de la puberté. Oui. Il n'y a pas de souci. La personne qui est, qui, est, qui est mineure ou qui a presque atteint l'âge de la puberté peut parfaitement diriger un homme اجلت كم سولا اي رابورتي با صلى الله عليه وسلم تمام دو عمرو بن سلمه رضي الله عنه كي قال أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن ست ستين سنين او سبع سنين مواجد امام علي بوك جو بروفيت صلى الله عليه وسلم انا كوجي نبيك ابان سيس او ساتان طيب والحديث صحيح Mais il n'est pas permis qu'un homme soit dirigé par une femme, ni que celui qui sait réciter le Coran soit dirigé par celui qui ne le sait pas. Aïe, voyez La fameuse mas'ala est-ce qu'une femme peut diriger la prière devant des hommes À ce sujet, il y a.

En aucun cas diriger la prière pour des hommes. Ça n'a jamais existé. Même si certains vont te dire, comme on a pu le détailler dans, dans un audio, dans la liste de questions-réponses, on a détaillé cette masque-là, Et même si ça va te, te ramener des paroles de At-Tabari, Rahim Ta'ala, ou bien de l'imam Al-Mouzani, etc., et on a détaillé cette masque-là. Il faut déjà prouver que ce qu'elle vient de l'imam al-Mouzani, qui c'est qui a ramené ces propos de l'imam al-Mouzani au Rahim Ta'ala, et même si cette parole de l'imam al-Mouzani est véridique, on rappelle que l'imam al-Mouzani c'est un élève de l'imam al-Shafi'i, cependant il a émis des conditions, ce n'est pas dans l'absolu comme certains ont voulu le faire croire, il a émis des conditions, que ce n'est pas pour les prières obligatoires, que c'est pour les prières de que s'il y avait personne qui connaissait le Coran, etc., il a akhrihi wa haqqara, Continue, Habib. Si quelqu'un suit dans une mosquée la prière d'un imam, dans quelque partie de la mosquée que ce soit, tandis qu'il reconnaît la prière de l'imam, cela est valable et suffisant, à moins qu'il ne se place devant l'imam. Bon. Il a mentionné la femme ne peut pas diriger. L'homme n'est pas permis qu'un homme soit dirigé par une femme, ni que celui qui sait rester le Coran soit dirigé par celui qui ne le sait pas. Eh car le comme l'a dit le prophète euh, sallalahu alayhi wa sallam comme l'a dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam celui qui dirige celui qui dirige la salat tamam ya ummak aqra'ukum bikitabillah vous dirige dirigez la salat celui, celui qui connaît le mieux parmi vous le livre d'Allah celui qui connaît le mieux parmi vous le livre d'Allah Tabaraka wa ta'ala. Tamam. Celui qui ne connaît pas le Coran, celui qui connaît pas le Coran, qui, qui ne sait pas lire, etc., il a il ne peut pas diriger ceux qui savent lire le Coran, etc. Surtout si en plus, il ne récite pas correctement, comme dit Ben Qasim al-Ghazi, il ne sait pas réciter correctement. BarakAllahu al-Fatiha, est un pilier, parmi les piliers de la salat. Tamam Ensuite, la mas'ala, à quel moment, à quel endroit, on doit se situer dans la mosquée Est-ce que si l'imam, il est loin, est-ce que si nous, nous sommes loin derrière, est-ce que la prière est toujours valable, etc. Naam. Comme il a dit ici, Abou a, si quelqu'un suit dans une mosquée la prière de l'imam, dans quelque partie de la mosquée, que ce soit, tandis qu'il reconnaît la prière de l'imam, tamam, cela est valable et suffisant, à moins qu'il ne se place devant l'imam. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, dans le madhab, ce n'est pas possible que la personne se trouve dans sa maison, derrière son poste de télévision et la, la, la jama'a dans le masjid, et lui dit ouais, « Je suis l'imam, etc. » Il faut qu'il soit dans un, dans, un, dans un lieu commun, comme l'a mentionné « khatib bachir fil murni al-muhtaj tamam. » et qu'il suit les, le, le, les rangs, se suivent et qu'il puisse reconnaître la prière de l'imam. Soit il le voit directement, soit il l'entend, soit en voyant « la prière des fidèles à travers les rangs successifs qui suivent la prière de l'imam, tamam? À partir de là, cela est, cela est tout à fait permis. En dehors de cela, si l'imam est dans le film masjid et lui, barakallahu fikum, il se trouve très très loin de l'imam, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. À tel point que les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent, notamment comme dit ben rasim al ils disent que les rangs qui se suivent ils ne doivent pas dépasser entre eux, que ce soit derrière l'imam ou bien entre eux, ils ne doivent pas dépasser 300 coudées, c'est-à-dire à peu près 150 mètres. 150 mètres. Si on ne dépasse pas cela, approximativement, hein, plus ou moins, là-bas, on reste dans le fait de prier en Jama'a les, les rangs sont, ils sont successifs. Si on dépasse cela, on est à 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres, et la, la bout. là. Là su al l'irkteda. Là, on considère pas que fikum, il a suivi l'imam. Jamil Mumtaz. Continue Akhir Habib. S'il prie hors de la mosquée, mais près d'elle, tandis qu'il reconnaît la prière de l'imam, et s'il n'y a pas de séparation entre lui et l'imam, il lui est permis de le suivre comme imam. Aïewa. Ça, ici, pareil, encore une fois. Déjà, ma Déjà, premièrement, il se met pas devant l'imam. Ma Comme l'a dit al-Qadi Abu Shouja Taala, à moins qu'il ne se place devant l'imam. S'il se met devant l'imam, là la prière elle est, elle personne ne se met devant l'imam. al sur les côtés, mais pas devant lui. al-imam li L'imam a été établi pour être suivi. Et non pas pour que lui soit suiveur. Hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tamam Aïe Jamil. Ensuite, ensuite, barakallahu même s'il est en dehors du masjid, même s'il est en dehors du masjid, mais s'il est proche, comme on l'a mentionné ici, thalatha de 300 coudées, environ 150 mètres, la baisse. Tamam la base. Tant qu'il n'y a pas de ha'il, il n'y a pas de barrière entre l'imam et ceux qui suivent. Donc, il est permis, barakallah de, de suivre et c'est considéré comme étant un suivi et une prière en jama'a Il n'y a pas de souci, inshaAllah, que ce soit dans le masjid ou que ce soit en dehors du masjid, dehors, ou que ce soit toute la jama'a à l'extérieur, comme fait l'aïd, neuf sechey InshaAllah wa ta'ala. Habib. La prière du voyageur. Il est permis à celui qui est en voyage d'abréger les prières quaternaires à cinq conditions. Que le voyage ne soit pas entrepris dans un but illicite que le trajet soit de 16 parasanges, donc approximativement 81 km, qu'il s'agisse d'une prière quaternaire dont il doit s'acquitter pendant son voyage, que le voyageur formule l'intention d'abréger la prière au moment d'entrer en prière et qu'il ne prie pas sous la direction d'un imam qui est en séjour fixe. القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى نو ما سول ماتنا لي غيغ لي كونسونون لا جزاكم الله خيرا طيب جميل لوسك اون ان الله تبارك وتعالى نزا فاسيليتي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا طيب هاي ين دون يا تمام دونك Dans le verset, il n'y a aucun mal Nul grief contre vous, si vous souhaitez raccourcir les prières, etc. Si vous avez peur euh, de subir un quelconque mal de la part des mécréants, etc. Ce verset, c'est la base dans la, concernant la, 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 le caractère permis ou recommandé même, c'est une sunna, de raccourcir ses prières.

qu'a octroyé Allah ses serviteurs, mais elle n'est pas faite n'importe comment. Première condition, il a dit, que le, 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 le voyage soit fait en dehors de quoi donc D'une désobéissance. Que le but du voyage ne soit pas la désobéissance à Allah Azzawajal. Et ça, on a déjà évoqué le type de voyage. Euh, le voyage pour désobéir à Allah Azzawajal, Le voyage... Dans lequel il a désobéi à Allah Azzawajal, Et le voyage pour désobéir Dans lequel il a désobéi Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Un voyage qu'il a entrepris Pour désobéir à Allah Hada la Il ne lui a pas permis De raccourcir ses prières Un voyage qu'il a entrepris Pour désobéir Un voyage qu'il a entrepris Pour autre chose Mais dans lequel il a désobéi Hada ma fi ishkal, La basse Enfin, ce n'est pas le péché qui. où il n'y a pas de problème, non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, il a commis un péché, ça peut arriver, mais il n'a pas entrepris ce voyage pour commettre ce péché. Par conséquent, il peut toujours raccourcir ses prières. Qui est à l'abri du péché Tamam, Jaïd. Et enfin, celui qui a entrepris le voyage pour désobéir à Allah et a à désobéi à Allah également. لوسي نبقا راكورسير. كاع الفقهاء الشافعية كما الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الأشبه والنظائر، إذن غايغل، نقاعدة، الرخصة لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالمعاصي. لي لي فاسيلتي نوسون با اتريبيوي لوسكيل دو ديزوبسانس. تمام؟ أن ني كونسان لا ديزوبسانس، طيب.

Parazange. Tamam. C'est une, une distance, une unité de mesure de l'époque. Toyeb, hein c'est de la rasher, en kilomètres, ça reviendra à combien Mahal khilaf, entre les fouqahas. Certains disent 82, comme on peut le voir ici euh, dans, dans, dans la marche, 81 kilomètres, pardon, 81, mais ceci, il khilaf dans lequel il y a consensus, en tout cas chez les c'est 89. 89 km. 89 km. Il n'y a pas ishkal. 81, khilaf A la approximativement, entre 81 et 89 km. À partir de là, la personne peut raccourcir ses prières. Donc, si je ne voyage pas pour commettre un péché, je peux raccourcir mes prières. Si j'ai atteint la distance la distance minimale pour être considéré comme étant un voyageur à savoir entre 81 et 89 km minimum je peux encore une fois raccourcir mes prières qu'il s'agisse d'une prière quaternaire dont il doit, doit s'acquitter pendant son voyage donc une prière ce qu'on appelle ar-ruba'iyya ar-ruba'iyya donc à al dhuhur, al-asr ou euh, al-maghrib. Tamam? La 'isha. Euh eh al 'isha pardon, al-maghrib euh, thalatha et le maghrib on la rentré à l'intérieur min bab at-Taghlib. Même s'il n'y a que 3 rak'a mais on la rentré dedans, étant donné que c'est une prière qui est de plus de 2 tout simplement. Tamam? Donc on la on la compte avec euh, euh, le le ar-rubaiyah. Tamam? Mais le, le Maghreb, lui, n'est pas raccourci. On ne le raccourcit pas. Euh, Afwan, on ne rentre pas avec le, le Maghreb, avec le Isha et le reste. Parce que le Maghreb et euh, le, le Fajr, ces prières-là ne bougent pas. Il n'y a que les Ruba'iya qui bougent, Afwan. il n'y a que les Roubaïa qui bougent qu'on peut raccourcir. Zor, Asr et Isha. Le Fajr et le Maghreb, elles ne bougent pas. On ne les raccourcit pas. Abadan. Tamam Jaïd. ونال الحديث ابن عباس رضي الله عنهما هو النبي صلى الله عليه وسلم اجي يا اهل مكه لا تقصروا في اقل من اربع برود من مكه الى عسفان والى طائف والى الطائف طيب دونك كيسك ديان صحه في هذا في هذا الحديث راضت بار درقني البيهقي وذخر اي او فو لي جان دو مكه او فو لي جان دو مكه لا رقصيسي با لي صلاه Tant que vous n'avez pas atteint 4 bourrouds 4 bourrouds c'est une unité de mesure qui revient aussi également à euh, ce qu'on a évoqué tout à l'heure les c'est euh, à acharan farsahan mais il asfan ou il a pas soit de Mekka il a asfan donc euh, c'est une contrée ou bien il a pas donc à partir de là on peut commencer à raccourcir avant cela on ne peut pas Taïb. ensuite concernant le fait euh, de raccourcir uniquement barakallah le al 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 et al-isha car comme on l'a vu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne regroupait uniquement que celle-ci il ne raccourcissait pardon uniquement que celle-ci le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas et d'autres radra <inaudible> <inaudible> anhumah tamam jahid ensuite qu'est-ce qu'il dit donc il a précisé un point, qu'il s'agit d'une prière à doit accomplir pendant son voyage. Pendant son voyage. Cette précision pendant son voyage, il ne l'a pas précisé lui dans le Abou Shouja en arabe. Ici, ce n'est pas euh, ce qui est mentionné. Mais à la cette précision, euh, elle est pertinente étant donné que s'il rentre de voyage, il ne peut pas raccourcir ses prières. S'il rentre de voyage, S'il si rentre de voyage, il doit poursuivre et compléter ses prières comme un résident. Donc forcément oui, il faut que cela se passe durant son voyage. Ensuite, à al-qasr, avoir la niya du qasr. Inna amal donc, il doit avoir la niya de faire le qasr, de raccourcir ses prières. Tamam. Jayid. Et il ne, do, il ne doit pas, fikum, prier derrière un homme qui est résident. Car s'il prie derrière un homme qui est résident, il se doit, barakallahu fiikum, de compléter sa salah. S'il prie derrière un résident, même si, comme dit même s'il a attrapé ne serait-ce qu'à At al-Ahir uniquement, il se doit de compléter sa salah, de compléter sa prière en tant, que, en tant que résident. On a dit à Abdullah ibn Abbas, on lui a dit, lorsque je un homme lui a dit, lorsque je prie tout seul et je suis en voyage, je raccourcis mes prières. Et si je prie derrière un imam résident, je complète ma prière. Abdullah bin Abbas le dit <mère> Et ceci est la Sunnah. Dans le sens où c'est comme ça qu'il faut le faire. Et pas autrement. Pas dans le sens où c'est recommandé. Non. Dans le sens où c'est comme ça que le prophète wasallam, nous a enseigné de faire. Rada huwa. Bilbabt. Tamam. Ensuite. Donc ensuite ceci était la dernière Et la cinquième condition Si toutes ces conditions sont réunies La personne peut quoi donc Elle peut raccourcir ses prières wa Réunir les prières Il est permis au voyageur De réunir la prière du Dor Avec celle du Asr Et la prière du Maghrib avec celle du Risha Il peut réunir ces deux prières Dans le temps légal de celle des deux prières Qu'il lui plaît Aïwa. Avant de rentrer dans le, dans le jamah, avant de, de rentrer dans le dans le fait de regrouper les prières, il y a une mas'ala qui est, qui est intéressante. Une mas'ala. Combien de temps le voyageur peut rester à raccourcir ses prières Ça, c'est une mas'ala que le qadi Abu Shujia n'a pas évoquée. Ici, dans, dans, les, dans les conditions Tayyib, dans le madhab, madh barakallahu fiikum, c'est quoi donc C'est trois jours. Thalathu ayyam. Dans le madhab, c'est thalathu ayyam. Al safar, thalathu ayyam. C'est trois jours. Hatha Dans le madhab. Donc une personne qui voyage d'un point A à un point B, il est considéré voyageur pendant, pendant trois jours. Quand même, pas Et concernant celui qui est Moutaraddid, concernant celui qui est Moutaraddid, qu'est-ce qu'on entend par mutaradid? Le mutaradid, c'est celui qui est encore dans le doute. Il ne sait pas est-ce que je rentre Est-ce que je reste Est-ce que, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que je fais etc. Euh, quand, à quel moment je vais rentrer Il a affrié. On appelle ça le Moutaraddid. Il y a celui qui sait, qui va d'un point A. Il part de Paris jusqu'à Bordeaux. Je voyage. Là-bas pour 25 jours. J'ai pris mon billet aller-retour. Khalas. t'es voyageurs pendant 3 jours. Au-delà de 3 jours, c'est bon, fini. Pas de problème. Il y a celui qui part en voyage Paris-Bordeaux, mais il ne sait pas dans combien de temps il va rester et quand est-ce qu'il va rentrer. Féhi-Khilaf. Certains ils ont dit Il peut rester ainsi pendant 14 jours. Certains ils ont dit qu'il peut rester ainsi pendant 17 et 18 jours. Certains ont dit plus 6 mois. La vie la plus juste, c'est que il n'y a pas de fin. Tant que celui-ci est toujours dans le doute, tant que celui-ci est toujours dans le doute, il n'y a pas de fin. Il dit, ici, ces jours, il ne faut, faut pas les prendre en considération. C'est pas dans le jour qui définit la limite. Mais c'est tout simplement Barakallahu Fikoum nous montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté ainsi. Comme dans le Fatha Makkah, après la conquête de Makkah, où il est resté à regrouper ses prières pendant 17 ou 18 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte d'Ibn Omar qu'il est resté ainsi pendant 6 mois. Tout ceci, c'est pour montrer quoi donc Madame Anahum Moutalad Dedan, car ils étaient toujours dans le doute quand est-ce qu'ils allaient rentrer ou autre, etc. Ils n'avaient pas un temps Déterminé et défini par conséquent, ils pouvaient raccourcir leur prière autant de temps de fois qu'ils le désiraient. al mais pour celui qui sait combien de temps il va rester, etc., il n'a pas monté la c'est trois jours. Ensuite. Pour le Musafir, raccourcir ses prières, c'est toujours ça. Mais il y a aussi également la possibilité, barakallahu fikum, de pouvoir regrouper, de pouvoir regrouper le, les, les prières. de pouvoir regrouper les prières. et ça on le voit dans plusieurs hadiths. Hadith Anas, Hadith Ibn Umar, et, et d'autres. Hadith Mu'ad ibn Jabal, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum, il a. Euh, regrouper le dhuhr avec le asr il a fait avancer le asr jusqu'au temps du dhuhr et il a pris le dhuhr et le asr ensemble et il a fait retarder euh, le prière du maghrib et il a pris le maghrib avec le isha ensemble tous ces hadiths ils sont rapportés euh, authentiquement que ce soit par Bukhari, les muslims, euh, et Muslim et d'autres donc ceci est une possibilité et c'est aussi une rousha également pour le voyageur ce qu'on appelle aussi bien le jam al-taqdim que le jam al Le jam taqdim c'est le fait de prier par exemple Salat al-dhurr et il va faire avancer le asr au temps de Salat al dhur On appelle ça jam al-taqdim. Il va faire avancer le asr au temps du dhur. Ou bien djam al un regroupement retardé. Il va retarder par exemple le, le dhurr jusqu'au temps du asr. Et la seule condition, c'est que le, la, la, pri la prière, le regroupement des prières soit fait dans au moins le temps de l'une des deux prières. Donc, soit le temps de la première, soit dans le temps de la seconde. Tamam. Et il faut savoir une chose. faut savoir une chose, c'est que dans le madhab, dans le madhab, il est permis aussi également de faire le jama'a avec salat al jumua Il est permis de faire le jama'a avec salat al jumua Mais, Uniquement le Djam'a Taqdim. Uniquement le Taqdim. On peut uniquement rapprocher la prière du Asr jusqu'au moment du mois. On ne peut pas retarder le Djam'a. Ce n'est pas possible. Par contre, donc, on peut faire uniquement le al Taqdim Fakat. Donc, on va ravancer la prière du Asr jusqu'au temps du Djam'a. On sauté le Djam'a et derrière, on précède le asr. Il y a de faire. Euh,

Être fait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, sous certaines conditions, le al taqdim en tout cas, sous certaines conditions. Euh, la première, c'est que soit il commence par le dhour et ensuite il ramène le asr, soit il commence par le maghreb et ensuite il ramène le isha. Et pas l'inverse, sinon c'est plus un djem'a taqdim. Tamam. Deuxième condition, avoir la Nina de faire le djem'a l'intention de faire le jamah de regrouper les deux prières. Tamam Jamah. Troisième condition, de les faire de façon successive. De façon su successive, pardon. Donc s'il prie le dor, il attend pas, je ne sais combien de temps avant de prier le la asr. Il prie le dor, il a terminé, yusallim, etc. Hop, il se relève al-muala. Et il continue avec al-la Et enfin... Ça, c'est les conditions qui ont été évoquées par Ibn Qasim al-Ghazi, mais il y a une quatrième condition, il faut que la personne soit toujours dans quoi donc Dans l'excuse qui lui permet de pouvoir faire le jama C'est-à-dire, si c'est un voyageur, qui est toujours en voyage. Par exemple, continue avec euh, pour la pluie. Il est permis à celui qui est en séjour fixe de réunir ensemble lorsqu'il pleut ses deux prières, mais seulement dans le temps légal de la première des deux. Aïe, waouh Donc, <coughs> pour ce, ce qu'on a parlé au début... C'est concernant celui qui est en voyage. Celui qui est en voyage, il n'y a pas de problème. Il peut regrouper, raccourcir, et tout, etc. Moutlaqan, euh, ta'khir, regroupement avancé, regroupement retardé, il n'y a pas de souci. Regroupe avec le jumu'ah, il n'y a pas de souci. Tandis que celui qui est résident, il peut faire cela, barakallahu fikum, uniquement à certains moments bien précis. Par exemple, il est permis de faire cela s'il pleut. s'il pleut, il est permis de faire cela. Fille le matar par exemple. Mais, comme il dit le qadi Abishoudja, « Si, il fait ce qu'on appelle, euh, il fait cela au premier temps de l'une des deux prières. Il fait cela au premier temps de l'une des deux prières. Et, pas n'importe quelle pluie, sous condition, disent les fouqaha, comme dit Ben Qassim, c'est que une pluie abondante à que le vêtement soit trempé que le vêtement soit trempé que il continue de pleuvoir au moment où je fais l'une des deux prières il continue de pleuvoir pendant que je fais l'une des deux des deux prières ensuite qu'est-ce qu'il dit il dit encore et ce regroupement concerne uniquement Tartassou, هذا مهم تختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلى في, في, في جماعة المسجد أو غيره من مواضع الجماعة بعيد عرفا يجي سوق ما concerne ceux qui sont en train de prier au masjid à la mosquée تمام et enfin autre condition بارك الله فيكم ils disent que ويتأذى الذاهب للمسجد. en fait, cette pluie, cette pluie, tout ça, cause du tort. سنكون جدولك لاسكون سويسر غانغا على موسكي وهكذا نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك